En Corée du Sud, une cour de justice vient d'acquitter le journaliste japonais accusé d'avoir diffamé la présidente Bakugane. Tatsuya Kato est l'ancien chef du bureau de Séoul du journal conservateur japonais Sankei Shimbun. Il a signé un article l'année dernière déclarant que la présidente sud-coréenne Park Geun-hye rencontrait en secret son assistant le jour de la tragédie du ferry Sewol, qui reste la catastrophe maritime la plus grave du pays. Les procureurs ont avancé que cette déclaration était fondée sur de fausses informations et avait pour intention de nuire à la réputation de la présidente. Ils ont donc demandé une peine de 18 mois d'emprisonnement. Mais la cour a estimé que l'article, bien qu'inapproprié, avait tenté d'informer le public. Elle a rappelé que la liberté de la presse doit être protégée. Kato a déclaré que les procureurs devaient accepter le verdict et ne pas en faire appel. Je pense que le verdict de ce procès était évident et je ne ressens rien de particulier à cet égard. Les procureurs doivent accepter cette décision et ne pas intenter de procès en appel. Qu'une présidente, une figure publique, puisse inculper un reporter parce qu'elle n'apprécie pas un article qu'il a écrit à son sujet, questionne les valeurs de cette société démocratique moderne.